Bonjour à tous, c'est Bob de PSO pour une vidéo tutoriel en fait qui va vous expliquer comment faire une vidéo et comment la mettre en ligne et également comment utiliser Windows Movie Maker. Donc là en l'occurrence c'est la version c'est pour le 32 bits Windows 7. Alors déjà il faut commencer par télécharger ce qu'on appelle Fraps, donc c'est le meilleur pour moi. La version gratuite, donc c'est limité, je crois, c'est 30 secondes d'enregistrement. Donc après, vous pouvez mettre en boucle, mais c'est pas très intéressant. Vaut mieux la version achetée. Maintenant, bon, bah, il y a des versions craquées, mais bon, je peux pas dire craquer Fraps. Vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, version payante, vous avez la totalité. Donc une fois que vous téléchargez ça, là, donc je peux fermer. Une fois que vous avez Fraps en fait, après donc vous l'ouvrez, vous allez avoir ça. Moi ce que je vous conseille, donc dans le général vous mettez ça, vous mettez Monitor Aero Desktop, vous cochez cette case parce qu'en fait ça va vous permettre de filmer le bureau. Et par contre pour ça, la Monitor Aero, il faut absolument donc qu'il soit en thème Aero, sinon il n'y aura pas marqué ça. Je vais vous montrer. Donc vous allez dans panneau de configuration, vous allez dans personnalisation. Et ici vous avez les thèmes, donc vous mettez thème aéro, donc cela tout ce qu'il y a là, mais absolument thème aéro, sinon vous pouvez pas, vous aurez pas cette petite ligne où vous filmez le bureau. Voilà, une fois qu'on a ça, après bon bah soit vous filmez, donc alors, pour filmer c'est la touche F9, hein, vous appuyez sur la touche F9, ça met en rouge en fait en haut le nombre de FPS d'ailleurs est indiqué. Ensuite, pour arrêter, bah, vous rappuyez sur la touche F9. Ça va vous mettre ce que vous avez enregistré dans un dossier. Donc là, ça va vous enregistrer dans Fraps Movies. Donc vous voyez, par exemple, moi, il est en fichier temporaire parce que justement, j'enregistre actuellement. Donc on va faire un petit exemple. Ensuite, il faut prendre Windows Movie Maker. Alors, suivons les versions. Je vais pas vous mettre de lien. Windows Movie Maker, mais parce que au fait après ça dépend des versions que vous avez. Hein, voilà, vous prenez celui-là que vous voulez. Donc c'est gratuit, hein, c'est un logiciel de montage gratuit. Donc après, une fois que vous avez Windows Movie Maker, donc vous laissez là. Alors j'ai été sur YouTube et donc j'ai téléchargé un morceau de vidéo. J'ai été dessus. Donc ça donne ça. Voilà, donc j'ai filmé, vous voyez, j'ai appuyé sur F9, ça m'a donné ça. Ensuite, bon, bah, vous prenez soit une image, soit vous faites une intro avec des logiciels comme Sonic Vegas Pro, ou qui fait des belles intros, mais il faut s'y connaître. Moi, je m'y connais pas assez pour faire des belles intros, donc je fais ma propre intro à chaque fois. Alors, on va prendre donc Windows Movie Maker, on va commencer notre petit film. J'ouvre Windows Movie Maker, voilà, nous avons ça. Je vais commencer, donc bah, je vais déjà mettre je sais plus s'il faut faire comme ça. Ouais, donc là par exemple, là je mets la vidéo ici. Alors ensuite je mets la vidéo, seulement il me faut un titre et je vais mettre une image. Donc, je ferme, je vais mettre qu'est-ce que je vais mettre. Ah oui, j'avais fait une image exprès, tuto YouTube. Alors, on va ajouter des photos, on va mettre celle-là. Donc là ça me le met après, mais moi je le veux en avant. Donc vous le prenez, vous le déplacez. Attendez, hop, on va déplacer ça, on va mettre ça en avant. Voilà. Donc là on a en premier et non pas après. Donc ici ce que ça va donner ça. Donc vous voyez, il n'y a pas de son, il n'y a rien, c'est pas très intéressant. Ce qu'on va faire, on va rajouter du son et surtout ça, on va réduire ça. On va réduire la durée du temps de l'image. Alors vous allez dans édition, durée, vous mettez, je sais pas, bon, vous mettez 3 secondes. Déjà, ça vous rétrécit, ça vous met à 3 secondes la durée de l'image. Ensuite, une fois que vous avez la durée de l'image, vous cliquez ici parce qu'on va faire un fondu. Vous allez dans animation. Vous allez dans n'importe quoi ici, là. Vous sélectionnez celui-là que vous voulez. En fait, ça vous fait une. Voilà. Ça vous met ce qui va se passer après, soit en fondu, soit en différentes versions. Moi, celui que j'aime bien, c'est celui-là. Et pareil, pour la durée donc de la transition, c'est ici. Donc, 1 seconde 5, c'est beaucoup. Moi, je mets toujours 0,50, ça nous donne ça. Voilà, donc
Ça nous donne ça. Ensuite, ce qu'on va faire là, ici, on va rajouter une petite musique. Et je vais vous montrer comment la couper. Donc ici, on va dans Accueil, rajouter de la musique. On va mettre ajouter de la musique. J'ai préparé le dossier, je vais la mettre ici. Une musique qui colle parfaitement à l'ambiance donc de ça. Vous allez voir qu'il y a un souci, c'est au niveau de la durée de la musique. Ça déborde sur le début du film. Alors, ce qu'on va faire, ça, je vais prendre donc cette petite barre, je vais la mettre ici. Je vais aller dans Options, définir le point de fin. Donc voilà, ça m'a défini le point de fin de la musique. Et je vais faire un disparition en fondu. On va faire disparition en fondu moyenne du son de la musique qui se trouvera ici. Ici, je ne vais pas faire une apparition. Je vais mettre un titre. Voilà, on va rajouter un titre. Donc on va rajouter un titre. Donc je vais marquer par exemple tuto Bob. Tuto Bob de Pesso. Voilà, je fais ceci. Donc là, je rajoute le titre, ça me donne ça. Seulement, c'est pas terrible. Alors ici, vous pouvez changer. Donc, vous allez dans Animation. Animation, je ne sais plus si c'est ça. Animation. Attendez, je vais le. Animation, c'est animation du titre. Ouais, c'est ça. Donc, animation du titre, c'est dans. Je suis perdu moi aussi. Vous voyez, donc j'ai cliqué, j'aurais pas dû. Donc je vais enlever le titre, je supprime le titre, je vais le refaire. Vous le supprimez. Donc on recommence. Par contre, là on aura les animations. Ouais, parce qu'en fait là j'ai confirmé. Donc ça me mettait plus les animations ici. Donc vous allez ici, vous allez voir sur le côté là. J'agrandis. Ici là donc se trouvent les animations du titre. Donc vous en avez énormément. Hein. Vous voyez. Vous faites comme ceci, je sais pas, par exemple balancer ou cinématique, c'est très joli. Alors, on va mettre ça par exemple. On va mettre ça. Donc la durée du texte par contre 7. Attends, je vais vérifier. Ça m'a enlevé. Donc je vais aussi. Je fais plein d'erreurs, c'est bien, comme ça montre. Je vais supprimer le son, enfin la musique là, parce que ça me l'a coupé ici. Donc déjà, on a notre titre. On a notre titre avec l'animation. Voilà. Que je voulais. Ici, on va faire pareil, un disparaître. Un truc en fondu. On va mettre le même que j'ai mis tout à l'heure. Hein, par exemple là. Pareil, durée 50. Donc ça me met le fondu. Je vais donc rajouter la musique de tout à l'heure. Voilà, je la rajoute. Je regarde jusqu'où elle va. Donc, je vais définir le point de fin. Cette fois-ci, je vais faire ça un peu mieux quand même. Le point de fin, on le met ici. Je vais dans Options. Je définis le point de fin. Et en fait, voilà, ça me le met ici. Et je vais faire disparition en fondu. Je vais mettre moyenne. Voilà, donc déjà, ça nous donne ça. Voilà. Alors, une fois qu'on a ceci, vous mettez dans enregistrer le film. Bon, là, il me semble bien, hein, ça me semble correct. Vous mettez dans enregistrer le film. Moi, ce que je fais, c'est YouTube, mais vous pouvez personnaliser votre définition. Moi, je mets dans YouTube, ça me met directement un fichier qui va être adapté à YouTube pour justement donner la vidéo, au format que YouTube va accepter très rapidement. Donc voilà, donc j'appuie sur ça, je marque, je sais pas, bon, tuto Bob de PSO. Voilà, donc ça me met directement en fichier MPEG4, donc c'est super. Comme ça, le chargement de la vidéo pour YouTube va être extrêmement rapide. Donc je vais faire une petite coupure, le temps que ça se finisse. Donc voilà, la vidéo est donc arrivée. J'ouvre le dossier. Le dossier se trouve ici. Je peux fermer ça, donc j'enregistre pas les modifications. J'ai mon dossier ici. Ensuite, ce que je fais, là, je peux fermer là maintenant. J'ai mon film, hein. Donc comme on peut le voir, j'ai mon film, il est là. C'est le film qui sera diffusé. Enfin, je ne vais pas le diffuser, mais je vais vous montrer comment le diffuser sur Internet, sur YouTube. Voilà.
Ensuite, donc, je vais sur YouTube, je suis sur mon compte, je vais mettre ajouter une vidéo. Je vais rechercher ma vidéo, donc c'est dans Images. Tuto Bob de Pesso, voilà, c'est ici. J'appuie sur ouvrir et ça me le télécharge. Donc ma vidéo sera mise en ligne bientôt, sauf que je vais annuler bien sûr. Alors ici, ce que je vous conseille, vous mettez public, sélectionnez la catégorie bien sûr. Ensuite, ici, vous mettez la description. Ça, vous enlevez MP4. Vous mettez des tags, donc c'est ce qui va permettre aux gens de retrouver votre vidéo, donc ce qui concerne votre vidéo. Ici, vous allez dans paramètres avancés, vous faites ce que vous voulez au niveau d'ici, vous mettez la date d'enregistrement, aujourd'hui c'est mieux. Approuver, donc ça c'est les commentaires, lus ou tous. Voilà. Et après, votre vidéo, elle sera en ligne sur YouTube. Donc, moi, je l'annule. Voilà. Donc, c'était Bob de Pesso, j'espère que ça vous a servi, je vous dis à bientôt.